Bonjour les chéris, on est samedi matin, il est 8h, il fait un temps magnifique. Tant mieux pour ceux qui vont bien s'amuser avec les voitures. Combien va-t-il y avoir de voitures? 3, 4 voitures? 20, 30? Les paris sont lancés. En tout cas, ça se réveille vraiment tout doucement, même pas vraiment. Donc les Français qui doivent partir là sont toujours là. Bon, il est que 8h, hein, c'est tout. Là-bas, ça se réveille tout doucement. Là, il y a un camion qui est arrivé hier au soir. Voilà, polcar.com. Voilà, exprès pour les compétitions. Et ici, nous avons un camion KFC. Voilà la seule différence en ce jour à 8h du matin. Et les éboueurs qui sont là-bas. Là-bas derrière, entre les deux là-bas, voilà, derrière. Ah, il passe vraiment très très régulièrement. Là, on peut dire que tout est toujours impeccable. Donc 8 heures, pas grand-chose. Bien sûr, je laisse aller Cassie comme elle veut, tant qu'il n'y a pas grand monde. Et oui, ma Cassie. Tout est calme pour l'instant, donc Cassie, toute liberté. C'est demain le départ. Oui, demain le départ. Là, ils vont arriver avec leur voiture. Voilà. On va être comblé de voitures, je crois. Peut-être. 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 Je sais pas. Ici, on ne sait Même pas. ma copine, elle ne sait pas. Elle Mais dit non, ça change personne ne tout le sait, temps. hein. Non. Peut-être qu'il va y avoir 4 voitures, peut-être qu'il va y en avoir 40, on Je ne sais sait pas. pas, quoi. On verra bien. Bon, finalement, les camping-cars, là, ils gênent pas? Non, bah non, pour l'instant. Bon, bah c'est Sur bon. Ah, celle-là. C'est la voiture d'Elvis. Ah ouais. La garde. Oh, c'est de Pastelaria Padaria. Yeah. C'est de pain à pâtisserie. Oui. Garage, ça doit être un mélange. C'est pas du tout. C'est un mélange de voitures. Donc pareil, hein, on a le nom du pilote et du copilote. Et peut-être sûrement leur groupe sanguin. Oui, au cas où il y a un accident, je sais pas. Ça, je sais pas trop. Il y a pas mal de sponsors, lui. Ouais. À suivre. Ça va être la journée comme ça. Ouais, mais j'aime bien, c'est chouette. Bon dia. Ah, la petite voiture là, waouh. Alors, c'est quoi? Suzuki, c'est ça.
garage les abîmer. Hein. Ouais, bah là, elles sont bien c'est propres. C'est dommage, elles vont être abîmées. Si c'est sale, ça va, mais pas abîmées. Ouais. C'est quand même dommage. Hein. On va filmer quand ils vont rentrer dans les taquettes. Ah oui. Non, mais c'est bien comme le départ, c'est dommage, je pourrais filmer le départ. Tu viens avec moi, Baltique? Non? Oh, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Ouais? Alors, ceux qui pensaient qu'on allait manger du KFC aujourd'hui, eh bien, c'est tout loupé. Dedans, une voiture. Buen dia. Bonne tarde. Oui, oui. Oh là là. C'est pas vraiment du poulet frite, là. Et puis, ah, elle est moins propre que les autres. Oula, il démarre le camion, je vais vite me pousser. Ils ont monté des stands, rien que pour protéger les voitures. Mais il n'y en a pas beaucoup encore, beaucoup d'arrivées. Parce que bon, c'est bien ça, il y en a bien 22 d'inscrites. On va aller voir celle-là. Qu'est-ce que tu dis? C'est un ascenseur là qui monte et descend la voiture. Ah oui! Ouais, ils sont en train de la sortir. On voyait manger du... Eh ben voilà, c'est ce que j'ai dit, on pensait manger du KFC, ben non, non, non. Elle est bien protégée, c'est bien. Waouh. Voilà, on a un belge. Ah, c'est écrit en français. Allez, construction. LDA. Venu pour un mois, c'est l'inévitable. Hello, how are you? Very well, thanks. Good, thanks. Do you speak French? No, I don't. I only speak English, sorry. Oh, and I speak a little English too. No, it's not bad. Alors, je me suis mise un peu en retrait parce que j'ai quelques petites informations. Donc, normalement, il y a 22 voitures inscrites, mais il y en a d'autres qui risquent d'arriver, donc ça en ferait 28. C'est le championnat de course d'Algarve. J'ai entendu maintenant, ça y est, où sera le début de la course, et j'ai maintenant le parcours des courses spéciales, etc. Donc il y a un départ qui se fait à un endroit à 10h du matin, dimanche, demain, mais le départ officiel, c'est souvent comme ça dans les rallyes, se fera ici même, donc aux alentours de 9h30, vu qu'il y a quand même pas mal de concurrents. Je vais tenter de vous montrer le parcours. Voilà, c'est là, c'est le parcours, les parcours, parce que ça va se faire en plusieurs temps. Actuellement, à l'heure où on parle, les pilotes ou copilotes sont partis en repérage des circuits.
parce que ça tortillonne dans tous les sens, c'est assez... Ben oui, hein, y a des sentiers, il y a trois guets à passer tout de même, donc je crois qu'ils vont pas s'ennuyer sur la route. Hein. Moi, je la ferai bien la course, moi aussi. Hein. Bon, je te fais voir encore des voitures, parce que là, tout le monde n'est pas arrivé. Je te ferai voir des voitures encore tout à l'heure. Préparer les voitures, change les roues. Elle est toute sale, hein. J'espère qu'ils vont la nettoyer. Je sais pas si toi tu sais ce que c'est cette voiture. J'essaie d'aller devant parce que moi, il n'y a qu'en regardant devant que je reconnais à peu près peut-être. Ouais, ben moi je reconnais pas devant. Hein. Je sais pas ce que c'est. Bon, pour les connaisseurs, vous savez ce que c'est. On est loin, loin encore des 22 voitures. Bon, pour l'instant, elle est toute sale. Je vais demander au monsieur quand même s'ils vont les laver. Là, ça commence à être un stand un peu plus important quand même. Hein. Gros camion et tout. Do you clean your car? Do you clean your car? Yes. Oui, le monsieur va nettoyer la voiture. Yeah. Là, on a une vieille Ford. Non, mais regarde-moi ça. Ah, j'adore. Elle est super sympa. Qu'elle va concourir hein, puisqu'elle demande deux personnes dessus. On n'a que les équipes de techniciens qui sont en train de préparer les stands, en train de préparer les voitures, puisque pilotes et copilotes sont en repérage sur les terrains. Là, je connais un peu cette voiture.
Non, non. Alors là, j'ai la seule femme, la seule femme technicienne, oui, de la course. Oui, c'est moi. Bon, ça y est, j'ai compris ce que voulait dire le président. Quand il m'a dit de faire gaffe, ils arrivent bien vite, ils sont bien excités là. Ça y est, la voiture est sortie du camion noir. Je sais pas combien il y a de voitures. Ah, ça y est, il la lave là-bas. Ah, super. Ouais, ça a été vraiment crado, la pauvre. Aïe, aïe, attention. Ça arrive. Non, mais elle arrive doucement. Ouais, la dame avec qui je parlais me disait qu'elle aussi elle aimerait bien conduire. En fait, c'est son amoureux qui conduit la voiture. Bien sûr, ça coûte une fortune, donc ils ne peuvent pas se permettre. Je sais pas ce que c'est comme marque ça. Alors amusez-vous à deviner les marques de voitures parce que franchement, moi je sais pas. C'est écrit en français derrière en plus. Attends, je vais te montrer ce qui est écrit derrière. Christine, la seule femme, je crois. Il y en a bien qu'un et d'autres, peut-être. Buggy. L'organisateur du rallye m'a dit Thierry, il est magnifique. Hein. Oui, il est resté magnifique. Il a quelques cicatrices parce que il souffre. Hein. C'est une voiture pour souffrir. Ah, hein. Oui. Mais je vous ai filmé tout à l'heure quand vous avez tourné là sur la place et tout. Je faisais des essais, des petits essais pour voir les freins. Douté, ça va pas très bien les freins. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer alors qu'est-ce que vous allez faire avec votre voiture demain? Demain matin, je fais le premier rallye, l'ouverture du rallye en fait du pays. C'est des rallyes nationaux et donc j'ouvre le rallye. Voilà. Votre prénom c'est Thierry? C'est Monsieur Breton's Thierry en fait. Oui, j'ai filmé tout à l'heure la voiture. Un positif. C'est vachement bien quoi. Moi, si jamais vous avez quelque chose, je pourrais vous donner du sang, je suis à plus aussi. Et vous êtes Christine? Moi, je suis copilote. Chris, voilà, la copilote, exactement. Et donc vous faites la présentation avec lui? Voilà, l'ouverture du rallye. Et c'est vrai que cette voiture, elle a toute une histoire en plus. Dakar, c'est pas n'importe quoi. Elle hein. a toute une histoire, cette voiture, exactement. Et vous êtes une passionnée aussi? Une passionnée, tout à fait. Ça fait plaisir parce qu'en fait, pour l'instant, je n'ai vu que deux femmes. Il y a une autre dame là-bas qui est copilote aussi, de son amoureux. Donc vous êtes deux. Voilà. On est, bah, écoutez. Pour l'instant, voilà. Je vous ai vu que deux. Hein. Voilà. Ouais, mais de toute façon, sur YouTube, ils vont vous adorer. Hein.
n'en doute pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire encore, Thierry? Allez! Avoir un peu de chance demain, parce que le matériel n'est jamais fiable à 100%. Alors comme j'aimerais un peu... montrer quand même que je suis dans le tout-terrain et que je roule parmi les 5-6 premiers. Bah oui. Alors j'aimerais bien faire un bon temps et montrer quelque chose de différent. Voilà quoi. Moi j'aurais bien voulu vous voir passer dans les gays. Parce qu'il y a quand même 3 gays et je pense que vous êtes la voiture qui va passer le plus facilement. Moi je suis pas un fervent des freins, j'aime pas les freins. Ah ouais. Donc je fais attention. Ouais, mais là comme c'est. Sur l'aquaplaning, sur les gays. Exactement. Donc voilà. Je dis que la fiabilité du matériel c'est ce qui est important. Mais voilà, mais on n'est jamais sûr de nous, hein. Ben dites, faut assurer vous aussi, hein. Bon, vous inquiétez pas pour ça, je suis dans le rallye depuis une vingtaine d'années. Et donc, puis, coupe zéro, il a le droit de tuer le mec. C'est, hein, c'est lui qui est responsable. Ouais. Donc, allons-y pour les dégâts. Ouais, là, vous avez eu le droit de tuer tout le monde, là. Double zéro, c'est on va, bon. On va essayer de vous tuer personne. Vous êtes mieux que double 07, hein. On va essayer d'écraser personne, surtout. Ouais, ça serait sympa, quand voilà. même. Parce qu'on m'a tellement mise en garde de ne pas me faire écraser que du coup, maintenant j'y crois. Hein. Oui. Mais c'est-à-dire une voiture comme ça, quand elle arrive, on l'entend. Mais du coup, les voitures classiques, on ne les entend pas arriver. On ne les entend pas arriver. En plus de ça, c'est... il a quand même sa prestance. J'en suis vraiment fier. Je le bichonne depuis des années. C'est une voiture que j'ai depuis 2008, que j'avais achetée en France, à Monaco. Elle a été refaite entièrement par mes soins. Et donc j'en suis très orgueilleux. J'ai enlevé son moteur qui était à l'origine Porsche, c'était en fait Renault. Et moi je suis passé à Porsche parce que je suis un fervent des moteurs qui refroidissent par air, non par eau, parce qu'il y avait énormément de câblage. Voilà, ça c'est des opérations techniques. Mais bon, sinon. Le nom de la personne qui a gagné au Dakar. Alors qui c'est qui avait cette voiture? C'était Schlesser. Voilà. Quand il même, avait gagné en 2004. Mentionné quand même, ah oui, quand même. Et donc c'est dans ces relations où j'ai eu cette voiture. Parce que si jamais c'est moi qui le dis, ils vont pas me croire alors. Pourquoi? Oh ben parce que ce sont des bandits sur YouTube. Ah ben non, mais de toute façon cette voiture, si vous donnez son numéro de châssis, ils vont vous dire son existence. Hein. Ouais. Ils la connaissent. Et elle est au Portugal. Et c'est l'unique voiture qu'il y a au Portugal. Ah oui. Voilà. Et vous êtes d'origine? Alors, je suis français. Je vis au Portugal depuis 91. Et vous en êtes heureux? Je suis heureux, ouais. Mais un peu déçu certains, parce que vous savez, c'est des gens un peu très convivial, mais comme partout, hein, oh, de toute façon ça peut pas être parfait. Moi j'ai jamais connu dans un milieu sportif des rivalités, à part que quand on est sur la route. Oui, bien sûr. Mais entre nous en assistance, on est toujours dans l'apéro, on est toujours entre amis, on se dépanne de tout. C'est vrai qu'elle a quelques blessures. Oui, mais c'est vraiment dommage que je ne vais pas être sur le parcours parce que j'aurais vraiment voulu la voir dans la terre, dans l'eau. Parce que finalement, c'est la seule voiture qui soit faite vraiment pour ce terrain. On a des petites blessures par-ci, par-là. Et donc Thierry et Christine s'en séparent pour passer à d'autres projets. Elle est vraiment très très sympa. Ah vraiment toi, si je pouvais je te prendrais avec Coquelicot. Coquelicot c'est mon camping-car. Ça c'est des cicatrices de vie, hein. Et là, oui, voilà, c'est pour ça que je montre les petites blessures là et tout. Il en aura toujours. La place commence vraiment à être bien occupée. Maintenant, ils sont tous en train de coller un peu les numéros. Ça y est, ils ont enfin lavé la voiture KFC. Enfin, elle est propre.